dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble, donc à travers donc, une petite vidéo, donc, quel est l'intérêt de faire de la cryothérapie. Donc, je suis actuellement au Kenya, donc juste derrière, vous voyez certainement la vallée du Rift. Donc, je suis avec Johan Koval qui a été champion d'Europe du 3000 mètres steeple en 2014 à Zurich. Tu as aussi une performance de 8 minutes 12 secondes sur cette discipline. Donc, juste avant, donc, explique-nous un petit peu donc, ce que tu as réalisé dans la course à pied. Et ensuite, on va voir ensemble donc, les bénéfices de la cryothérapie pour un coureur à pied. Donc, salut Johan. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer un petit peu donc, tes débuts jusqu'à aujourd'hui dans la course à pied? Oula, bon, on va faire en bref parce qu'il y avait beaucoup de courses et beaucoup d'années de pratique. Donc, j'ai commencé à 4 ans et demi à Fourmeux lors de stages d'entraînement de mon papa qui faisait de l'athlétisme et de ma mère également de l'athlétisme et du duathlon. Donc je faisais déjà un footing de quasiment 2 km à 4 ans et demi, donc j'étais déjà assez gaillard assez tôt. Et bah voilà, j'ai pris goût à l'athlétisme, ils m'ont laissé toucher un peu à tous les sports, être libre de faire mon propre choix au niveau activité, et mon cœur s'est vraiment accroché à l'athlétisme. Les résultats ont suivi par la suite, donc mini poussin, cadet, j'ai fait du demi-fond particulièrement des longues distances et 1500 mètres, 3000 mètres steeple. Je me suis testé un peu aux 5000, 10 km sur route. Enfin, j'ai vraiment essayé de toucher un peu à tout avant de me vraiment spécialiser sur 1500 mètres pendant 4 ans. Donc, j'ai fait une Olympiade et les Jeux de Londres sur 1500 mètres. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai changé de discipline et je suis sur 3000 steeple. Donc, avec l'objectif cette année des JO de Rio sur 3000 steeple. Donc, voilà, en gros, c'est une passion depuis très longtemps et c'est pas prêt de s'arrêter. Ah, c'est les minima sont à 8,22. C'est ça, 8,22. Ok, donc logiquement, si tout se passe bien, je te le souhaite, c'est de les réussir et de te voir aux Jeux Olympiques de Rio. Alors, comment tu as découvert la cryothérapie? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est pour toutes les personnes qui se disent waouh, c'est quoi ce jargon spécifique dans la course à pied? Bah là, en gros, la cryothérapie, celle dont on va parler, il y a plusieurs styles de cryothérapie. Il y a la simple cryothérapie qu'on peut utiliser avec des cool packs, les petits packs de gel qu'on met au congélateur et qui lors d'une blessure ou d'une une inflammation servent à refroidir le corps. C'est un système de cryo ça à part entière. Et là, celui dont on va discuter, c'est l'aspect un peu frigo. Donc on rentre dans une sorte de frigo où la tête dépasse, dans celle que j'ai moi pratiquée hein, par expérience. C'est-à-dire qu'on est à, tu m'avais dit, à moins 150 degrés. Voilà, alors c'est 3 minutes à moins 150 degrés, on rentre dans un frigo, il y a la tête qui dépasse parce que ça peut être électrique ou à azote, et donc l'azote met des gaz d'azote qui ressortent et on peut tomber dans les pommes si on a la tête dedans. Donc il faut vraiment avoir la tête qui dépasse du caisson, tout simplement c'est un caisson froid. Donc c'est 3 minutes maximum pour des effets vraiment thérapeutiques qui ont été prouvés efficaces sur la prévention, sur la récup et sur beaucoup de points au niveau sportif ou physique qui sont vraiment importants pour nous sportifs d'ailleurs. D'accord, alors là vous posez peut-être la question suivante, mais qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a un côté électrochoc? Est-ce qu'on n'a plus aucune courbature? Explique-nous un petit peu ce que l'on ressent et combien de temps aussi on est à moins 150 degrés. Bah, c'est donc 3 minutes maximum, alors on ne descend pas direct, on ne rentre pas, on est à 150, hein. Ça va progressivement dans la baisse de température. Et on ressent un effet immédiat. Moi, je ressens l'effet immédiat de jambes un peu plus fluides, un peu plus moins courbaturées. Je l'ai pratiqué régulièrement après une séance de piste en stage à Fourmeul l'été dernier. Et c'est vrai que ça m'a vraiment libéré. Pareil, en niveau prévention, des micro-fissures, des micro-lésions qu'on peut avoir souvent après une séance de piste assez importante. Ben là, c'est de la bonne prévention. Donc, tout est... Enfin, c'est un tout en fait, c'est aussi pour le sommeil, ça aide aussi pour le sommeil, ça aide à bien dormir, bien récupérer, bien enchaîner d'ailleurs un gros stage d'entraînement et être d'aplomb pour enchaîner d'autres séances. Donc en gros, voilà, réduction des lésions, des crampes, des courbatures, voilà. On a quelque sorte un second souffle sur son corps. Pour expliquer en bref, ça aide la circulation du sang, on va dire que ça augmente la circulation du sang dans le corps et ça aide au corps de mieux récupérer un peu en gros, très vaguement, le système des chaussettes de contention, mais c'est encore loin de tout ça. C'est un système qui aide à drainer et à faire, qui a un effet vraiment positif et d'ailleurs c'est utilisé dans les pays nordiques comme soin à part entière, c'est sous prescription médicale par les docteurs. Donc on est un peu en retard à ce niveau-là en France, mais je pense qu'on va y venir d'ici peu.
D'accord. Alors vous posez peut-être la question suivante. Bah, merci Maxence, merci Johan, mais quel est à peu près le tarif? Est-ce que c'est 30 euros, 50 euros, 500 euros, comme c'est méconnu, quelle est la fourchette entre 40 en gros, et 60 euros? En gros, on compte une séance de 3 minutes pour 40-45 euros. Ça peut être 35 à 45 euros, on va dire. Et si on prend un pack 10 séances, parce que l'idéal, c'est prouver d'être, l'efficacité est prouvée surtout sur 10 séances, on peut s'en sortir, voilà, ça dépend du tarif, un pack à 300 ou 400 euros pour les 10 séances. Ok, donc alors par contre, concernant la fréquence, c'est plutôt conseillé une fois par jour, une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois par mois? Bah, ça peut être, je pense que l'idéal, c'est de faire quand même une fois par semaine. Parce que déjà, c'est un coût quand même conséquent et ouais. L'utilité, après, il faut que le corps récupère quand même relativement bien après ce type de séance. Et donc, une fois par semaine pendant 10 semaines, c'est vraiment un bon cycle de récup, de prévention aussi. Et de, voilà, comme je le dis, ça a été prouvé vraiment pour des problèmes aussi d'arthrose, pour des problèmes d'articulation, tendineux, pour tout ce qui est problème de peau aussi. Et j'ai même lu des études par rapport à la sclérose en plaques, comme quoi ça diminue vraiment les effets de douleur de cette maladie. Donc, c'est vraiment, ouais, vraiment efficace. Donc, à tester. D'accord, ouais, donc n'hésitez pas vraiment à tester au moins une fois parce que notamment voilà, si vous avez soit des varices ou peut-être même une quelconque maladie, ça peut vraiment faire une différence énorme et c'est encore extrêmement méconnu à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des centres à peu près dans toutes les villes ou c'est plutôt principalement dans les villes supérieures à 50 000, 100 000 habitants où on... Oui, c'est surtout... c'est vraiment rare pour le moment. C'est vraiment des villes, ouais, des grandes villes qui ont des grosses infrastructures à ce niveau-là, parce que c'est un coût quand même conséquent pour s'installer installer un caisson de cryothérapie, c'est vraiment assez cher. Donc et puis c'est pas très connu encore pour l'année 2016, on va dire. On est un peu en retard au niveau français, donc faut vraiment les grandes villes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Paris, enfin. Les petites villes un peu comme la mienne à Périgueux ne sont pas encore desservies par la cryothérapie, donc ça va venir, je pense. D'accord. Donc n'hésitez pas à tester au moins une fois et aussi pour finir sur une dernière question par rapport à cette vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'apportent les stages de course à pied dans ton quotidien et surtout les bénéfices par rapport au niveau? Est-ce que tu as fait le Portugal, l'Afrique du Sud, là actuellement on est au Kenya et plus particulièrement à Iten à 2400 mètres d'altitude. Tu as fait l'Afrique du Sud, tu as fait peut-être même le Maroc. Pas le Maroc, pas les Maroc, États-Unis. Pas encore, les États-Unis. Donc, si, le Maroc, j'ai déjà fait en plus. Si, si. Ouais, d'accord, donc tu as fait au moins. Ouais, j'ai fait beaucoup de pays. 5 à 10 destinations par rapport à ça. À chaque fois, tu te ressens reboosté, qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu sors de ces planning d'entraînement et de ces stages? Ben, c'est un stage déjà en particulier, c'est se couper de la vie quotidienne de tous les jours, tout ce qui est facture, tout ce qui est problème. Quotidien en fait, on n'a rien à gérer, on est concentré et focalisé sur la préparation et l'entraînement. Ensuite, c'est pour éviter la monotonie des parcours réguliers chez moi où je pratique beaucoup de fois le même tour le matin, le soir, ça devient répétitif, ça devient usant, mentalement c'est fatigant. Quand on a des semaines comme là en ce moment où je suis à plus de 175 km par semaine, faire matin, soir le même parcours pendant plus d'un mois, c'est quand même répétitif et on va dire qu'on se lasse. Donc pour retrouver un peu de plaisir, donc il y a l'aspect stage. Ça aide aussi à ce niveau-là d'avoir des nouveaux parcours, des nouveaux sites d'entraînement. Et pour le Kenya particulièrement, c'est l'altitude, 2400 mètres d'altitude, des groupes de 200-300 coureurs, des champions qui sont ouverts et qui sont disponibles pour pouvoir partager des séances et s'arracher, être encore le meilleur. Et je pense que tout ça, c'est un bon mélange pour essayer de décrocher, nous, à notre tour, en tant qu'Européens, des médailles, que ce soit européennes, mondiales ou olympiques. Et ça, c'est pour ça que les stages sont utiles et voilà, on déconnecte tout, on est focalisé sur l'entraînement, on n'a rien d'autre à faire et on peut que se concentrer et s'appliquer dans ce qu'on fait. Et ça, c'est une chose qui me tient à cœur en tout cas, et c'est pour ça que je fais beaucoup de stages et que j'en referai encore beaucoup, j'espère. Ouais, bah absolument. Ce qui est assez magique dans les stages, c'est être focus dans ce que vous faites. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple au Kenya, donc grosso modo, alors, entre 40 et 50 euros par jour, vous allez avoir donc toute la pension, donc le petit déj, le dîner et le repas du midi. Vous pouvez même avoir un kiné, vous allez avoir le logement compris. Donc c'est ça qui est assez magique, c'est que grosso modo, alors, si vous avez un budget de 2000 euros, vous pouvez sans aucun souci vous faire 3 semaines de stage, donc même en comprenant le billet d'avion, donc c'est assez sympa. Et ce qui est magique, c'est grâce à ce temps que vous allez économiser de la vie quotidienne, donc notamment voilà, se faire à manger, se faire la lessive, toutes ces choses-là qui sont déléguées comme vous payez la prestation, vous pouvez donc faire le vie quotidien et ensuite progresser par la même occasion. Donc c'est ça qui est magique.
c'est être à 100% dans sa bulle, et cela, quel que soit votre niveau. Et en plus, bah, quand vous allez dans certaines destinations, vous avez la chance de rencontrer des champions. Donc là, comme toi, Johan, que je t'ai rencontré il y a 2 semaines, ou encore même des athlètes, quelle que soit votre discipline. Donc ça, c'est assez magique. Ok, bah, en tout cas, merci pour ton retour d'expérience. Donc si vous ne connaissez pas du tout la cryothérapie, n'hésitez pas à tester une séance. Et à vous renseigner, n'hésitez pas à taper dans Google avec le nom de votre ville. Donc peut-être de là où vous habitez, c'est important d'aller dans la grosse ville régionale, et vous allez avoir un centre pour pouvoir tester ce type de séance. Donc si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton like juste en dessous et partagez-la. Donc cliquez sur le bouton juste en dessous. Et juste avant de vous quitter, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email, et vous allez avoir donc votre cadeau de bienvenue immédiatement dans la foulée. Donc si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone, il y a un i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore donc dans la description juste en dessous. Donc au plaisir et à tout de suite pour la vidéo bonus, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt, bye bye.